C'est vraiment un joueur extraordinaire. Oui, je suis d'accord. C'est sans doute un grand talent offensif qui débloquera ce match. Matic. Van de Beek. C'est bien donné. Arthur. Il décide d'allonger le jeu. Paolo Dybala. La bonne interception. Bruno Fernandes. Bertrand. Ils sont patients dans la construction, mais il faut faire la différence. La passe dans la profondeur. Arthur. Coup franc pour la Juventus. Cuadrado. Chiellini. Les deux gardiens n'ont pas eu de travail jusqu'ici. Les deux équipes se craignent visiblement. Quelle passe sur la gauche. Oh, le bon ballon. Il peut y aller. Oh, but. But pour la Juventus. Et quand on lui offre autant de liberté, ça se termine souvent comme ça. La passe était millimétrée, elle lui arrive dans les pieds. Il termine l'action comme il sait le faire. C'est génial. Eh bien, on n'aura pas attendu longtemps pour voir du spectacle dans cette rencontre. Quelle inspiration! C'est joué dans la profondeur. Ils obtiennent la touche. Il allonge le jeu. Chaud, le centre. Changement d'aile, magnifique. Chiellini. Et cette longue transversale sur l'autre aile. Le bon ballon. Rabiot. Le ballon dans la profondeur. Oh, la frappe! Chaud. Un seul but d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur. Ça fait donc 1-0. Coup franc pour Manchester United. Bertrand. Il tente de la jouer dans l'espace. Alexandro. Un long ballon vers l'avant. Et la touche maintenant. Bertrand. Chaud. C'est osé. Il est servi. Il continue. Bruno Fernandes. Et ça se joue à rien. Il pensait clairement qu'il avait sa chance, mais pour marquer à cette distance, il faut soigner ses frappes. Alexandro, qui a donc offert un but à son coéquipier. Bétancourt, qui a de l'espace. Il était bien présent. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Il y avait de l'idée, mais le geste était compliqué quand même. McTominay. La Juventus, qui mène toujours 1-0 et réussit pour l'instant l'exploit de ne pas avoir concédé le moindre tir. Lorsqu'on mène 1-0 et que l'adversaire n'a pas tenté le moindre tir, eh bien on peut attendre tranquille. Tir ! Encore ! L'égalisation de Manchester United ! Alors là, c'était une véritable offrande. Eh oui, une seconde d'inattention peut parfois coûter très très cher. Le jeu reprend sur un score de parité. La frappe, attention! C'est dedans!
enchaînement imparable pour le gardien. Et les voilà donc en tête. C'est tout sauf une surprise de le voir marquer celui-là. Ça fait du bien à son équipe. Arthur, il cherche son coéquipier. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Ça joue long vers l'avant. Il est bien placé. Il préfère repasser derrière. Il n'avait pas le choix. Et il perd l'équilibre. Arthur. C'est la mi-temps dans ce match intéressant. Espérons que la seconde période sera tout aussi belle. On a vu une première période très agréable avec 3 buts et un score qui ménage encore beaucoup de suspense. Écoutez Grégoire, ce match est agréable et ouvert. D'ailleurs, tout reste possible en seconde période. Je pense que c'est loin d'être fini. 2-1 au tableau d'affichage, un seul petit but les sépare. L'arbitre siffle le coup d'envoi de la seconde période. Chiellini. Il allonge vers l'avant. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Chaud. C'est joué long. Ballon en profondeur vers Pogba. Chaud. Arthur. Il faut que ça va partir vite. Oh, Cristiano Ronaldo. C'est joué dans l'espace. Oh, le bon ballon. Attention, la frappe. Et le gardien est présent. Il a bien joué le coup, mais ça ne rentre pas. Premier corner dans cette rencontre. Bruno Fernandes qui cherche la profondeur. Il choisit la profondeur. C'est bien dosé. La passe est précise. Oh, le petit ballon piqué. Faut tirer là. Aucun danger pour le gardien. Franchement, c'était pas le plus dur à mettre celui-là. Il en a marqué des beaucoup plus difficiles. Quel mauvais choix! Cuadrado. Manchester United laisse clairement entrevoir ses intentions en laissant des joueurs devant. Pour jouer le contre? Oui, sans aucun doute. À la première occasion, ils vont les servir aussi vite que possible. Arthur. Rabiot. Arthur. Peut-être une occasion pour Cristiano Ronaldo. Non, il n'a pas joué le ballon là. Chaud. Bruno Fernandes. Bien, la profondeur. La tentative. L'arrêt splendide. Oh oui, superbe. Et la tête. Oh, pas de chance sur ce coup. Il avait réussi le plus difficile, prendre le dessus sur son adversaire direct. C'est vraiment dommage. Arthur.
Long ballon dans le sens du jeu. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Dans la profondeur. Il est à distance de... Il frappe. Oh, il marque. Et ça fait désormais 2 buts d'avance. La défense l'a un peu oublié, manque de concentration. Mais c'est le joueur à marquer de près. Un attaquant de ce calibre, si vous lui laissez une chance de briller, eh bien, il vous le fait payer. Ça, c'est sûr. Ils ont fait le break et c'est reparti. 2 buts d'avance, c'est confortable sur le papier, mais la beauté du foot, c'est justement ça. On ne sait jamais ce qui va se passer. Arthur... Morata. Oh, c'est chaud. Le bon dribble. La frappe. Et ils alourdissent la marque. Ils comptent désormais 3 buts d'avance. Leurs adversaires sont KO debout là. Oh, l'opportuniste. Et quelle efficacité. Ok, l'attaquant est très opportuniste, oui. Mais quelle mésentente de la défense. C'est le bazar. Oh, l'efficacité diabolique. Hat-trick pour lui aujourd'hui. Il est vraiment irrésistible en ce moment. On dirait qu'il a marqué sur chacun de ses ballons. A priori, ils sont à l'abri maintenant. Voyons comment ils gèrent la suite. Ce nouveau but vient récompenser tous leurs efforts. Et je dois dire, c'est mérité. Matic. Chaud. Et il reste 10 minutes dans cette rencontre. Bruno Fernandes qui cherche une solution. L'arbitre signale une faute. Changement, ou plutôt double changement, car les deux équipes font entrer du sang frais. Chaud. Matic. Maguire. Matic. Il ne résiste pas au contact. Il allonge. C'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. Bétancourt. Il passe en retrait au gardien. Maguire. En retrait vers son gardien. Autour du gardien de jouer. Bertrand qui cherche la profondeur. C'est trop long, pas assez précis. Un long ballon. C'est terminé, l'arbitre siffle la fin de cette rencontre. Ils ont totalement dominé la situation aujourd'hui et pendant de longues périodes dans cette rencontre. C'est normal qu'ils aient gagné à l'arrivée.